wants to find me. I'll be in the last place you would look, in a place where people used to be, a land that's called reality. You'll find me there. I won't be catching up on Reddit. I won't be watching any news. I'll let the planet spin without me, 'cause everything has been without me sometime. Eh bien bonjour, alors pour CFTP.fr, alors j'ai un jeune qui va se présenter de chez Concept. Voilà, donc je suis Cyril Benoît. Voilà. Un des fondateurs donc de iConcept, une boîte de distribution dans le jeu vidéo. Oui. Alors vous avez voulu faire une nouvelle gamme qui se trouve derrière nous. Oui. Un peu de rétro, futuriste. Voilà, c'était une aventure. C'est une aventure en fait, parce qu'on est des passionnés avant tout. Et on a voulu se faire plaisir avant tout. Ça a commencé d'un plaisir qui a été lancé par mon associé, qui a voulu me faire plaisir, parce que moi je suis un foot flipper et lui c'est un foot jeu vidéo. Et il a commencé à faire un produit, un pin cab, à voir comment on pourrait simuler les deux, voilà. Les assembler, les tortiller dans tous les sens. Tout à fait. Alors, on connaît déjà les consoles qui arrivent sur le marché qui peuvent permettre d'utiliser les cartes rétro, du moins les cartes, ouais, des anciennes consoles. Donc c'est une console qui sont régulièrement en évolution. Là, on est en train de passer sur une gamme qui est un petit peu, on va dire, une belle gamme, ouais, non négligeable. Y a, sur un flipper, on peut mettre à peu près combien de jeux ou alors, il y a plusieurs logiciels qui tournent sur nos pincab. On a au total, on a recensé plus de 400 flippers qui peuvent tourner. Et il y a une grosse communauté de fans qui tourne sous un des logiciels de flipper qui s'appelle Future Pinball, qui est fait par des fans pour des fans. Avec des tables qui sont soit des reproductions d'anciens flippers, soit carrément des créations complètes de fous furieux de flippers. Et donc cette communauté grandit, on a de plus en plus de tables. Et donc on peut jouer à de multiples flippers sur nos pin cabs. Et on a la chance aussi d'avoir des logiciels comme Pinball FX2 qui a été fait par les studios Zen Studio. Un studio bulgare qui fait de très belles choses au niveau flipper. Où là on a des flippers qui sont entre le jeu vidéo et le flipper. Donc ça nous laisse présager, quand la version 3 écrans sera sortie, ça nous laisse présager de belles petites choses. Simulation de, ouais, vol, simulation, non, même, de conduite. Peut-être pas, mais un petit mix déjà au niveau flipper, un petit mix entre le jeu vidéo et le flipper, ça pourrait être très, d'accord, sympa. Puis on peut imaginer tout ce qu'on veut après. Donc. Alors il y a d'autres choses, on a d'autres projets un peu fous, parce que c'est vrai que... Alors, on nous dit, ah, vous avez été capable de faire ça, pourquoi pas faire autre chose. Donc c'est vrai que... Il y a des idées, on verra après derrière, parce que plus on va avancer, plus ça va être compliqué. Plus vous allez avancer, ça nous mettra l'eau à la bouche, ça nous permettra d'aller voir d'autres choses. Oui. Nous venir ici pour pouvoir mieux voir ce que vous faites. Petite question, donc il y a les flippers, il y a les bornes arcades. Dans les bornes arcades, donc il y a eu donc la PS3, la 360. Alors les bornes arcades, on fait aujourd'hui tout ce qui est current gen, donc PlayStation 3, Xbox 360, PC. Donc, ouais, l'avantage du PC, c'est qu'on y rajoute une trackball et on permet d'avoir accès à tous les menus du PC. Alors après, une ludothèque énorme avec les anciens jeux et autres. Et prochainement, donc on attend un petit peu que les sticks soient dispo, Xbox One et PlayStation 4. Oui, bon, il y en a déjà une de Xbox One. Oui, mais on ne peut jouer qu'à Killer Instinct, malheureusement, donc ça fait un petit peu cher. On attend la sortie des nouveautés sur la console. J'ai vu pour les flippers, il y avait déjà des monnayeurs. Il y a a priori peut-être une perspective sur les bornes arcades. On étudie des choses, mais après derrière, voilà, il y a les problèmes de droit, les s'il est là, il y a beaucoup de choses, tout ce qui reste la légalité, voilà, le juridique à mettre en place, ouais, à piocher, bien sûr. Tout à fait. Ok. Donc j'ai vu que vous étiez aussi au concours Lépine pour une souris. Oui. Donc ça, j'irai prendre des photos sur votre petit engin. Oui. Et puis peut-être même faire un petit... Regardez, c'est un outil professionnel qui est une souris complètement 3D, qui est donc avec un joystick sur le côté. Et
et donc une espèce de petit coussin dessous sur lequel vous pouvez avancer, et je la présenterai moins bien que les bornes parce que c'est pas mon domaine, mais allez voir, c'est une soirée qui fonctionne sous SolidWorks, qui fonctionne sous TopSolid, sous plein de logiciels professionnels. On réfléchit d'ailleurs à une version gaming de la souris, parce que c'est une souris qui se comporte très très bien sur les Sims ou sur du World of Warcraft ou même sur du jeu de stratégie. Bon, on aura peut-être l'occasion de pouvoir avoir des petites vidéos de test. Il y en a déjà sur Internet. Je verrai ça avec Pierrick quand il sera en forme. Il y en a déjà sur Internet. Ouais. Vous pouvez voir pas mal de petites choses, que ce soit sur Google Earth, sur les Sims. Je crois qu'on trouve déjà pas mal de choses. D'accord. Cette souris, elle a un peu d'historique. Ça fait 2-3 ans que le projet a démarré. Ouais. Et on l'a évolué. Il y a eu pas mal d'histoires dans cette souris. Mais on a vraiment un produit aujourd'hui qui est très joli. Ok. Ça date de quand alors le projet des bornes des... Ça... C'est parti d'une idée qui a démarré l'été dernier et elle s'est concrétisée. On a eu les premiers produits qui ont vu le jour à Noël. D'accord. Donc c'est tout frais, tout neuf. C'est tout frais, tout neuf. Bon, toujours fourni par le concept. Voilà. Voilà. Je mettrai le numéro de téléphone de Concept pour que les gens, s'ils ont besoin de prendre des informations, puissent vous contacter. Bien sûr. Ça permettra éventuellement de pouvoir relayer auprès des magasins Antares s'il y a des clients à côté pour pouvoir éventuellement être intermédiaire. Bien entendu, on le souhaite. Voilà. En vous remerciant, donc c'était pour le moment la petite vidéo sur ce que Concept essaye de développer, de faire, les bornes. Les flippers, d'autres choses pour plus tard. Choses, notre passion du jeu est sans limite, donc on trouvera je pense d'autres choses à développer. Et puis vu tout ce qui doit arriver sur le marché, je pense qu'il y a de la perspective d'avenir. Tout à fait, et puis les machines sont de plus en plus multimédia, donc ce qui fait qu'en plus on se retrouve avec on a déjà les prémices avec la bande qu'on a fait sur Killer Instinct, on se retrouve avec une bande complètement multimédia qui fait à la fois, qui pourra faire borne karaoké, MP3, chaîne hi-fi, télé, elle peut vraiment tout faire, elle fait exactement ce qu'on garde. On garde les fonctionnalités de la machine en elle-même, donc c'est très sympa. Et là, par exemple, cette borne-là qui tourne avec le Kinect sur Killer Instinct, ça permet de jouer à un jeu d'arcade avec un adversaire à l'autre bout du monde. C'est très fun. Ça peut être très sympathique. Voilà. Encore merci. Merci. In a place where people used to be, a land that's called reality, you'll find me there. I won't be catching up on Reddit. I won't be watching any news. I'll let the planet spin without me, 'cause everything has been without me sometime. Everyone will be alright if I'm not live by satellite. It's a beautiful day, I'm running away. Don't bother to Facebook message or call me, 'cause I'm living life in airplane mode and everything is okay. I just wanna play, unplug for the day and live in the moment, 'cause I'm living life in airplane mode, yeah. I'm always drowning in the static. I'd rather swim in crystal seas. My battery's been running low. I need to take it nice and slow for just a while. You won't be hearing about my weather, and you won't see my breakfast pics. Videos of kitty cats all gussied up in pretty hats, you'll have to wait. I hope it's not a tragedy, I hope you don't get mad at me. It's a beautiful day, I'm running away. Don't bother to Facebook Messenger call me, 'cause I'm living life in airplane mode and everything is okay. I just wanna play, unplug for the day and live in the moment, 'cause I'm living life in airplane mode, yeah. Everything is now, everyone is everywhere.
the voices down the street of children playing on the beach. It's a beautiful day. Don't take it away. I just want to play. 'Cause I'm living life in airplane mode, yeah. It's a beautiful day. I'm running away. Don't bother the Facebook messenger. Call me. 'Cause I'm living life in airplane mode and everything is okay. I just want to play, unplug for the day. And